Bon les gars, les vacances approchent. Pareil. Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution, parce que les vacances, vous savez, les vidéos de vos vacances. Hein. Ouais. Donc il faudrait qu'on trouve une solution pour que nos mamies puissent voir nos vidéos. Alors, pas toutes, hein. Ah, les mamies, parce que, bah ouais, les mamies, moi, perso, j'ai une mamie geek. Il me semble que t'as une mamie chic, toi. Ouais, dans l'Irlande, c'est vrai qu'on a un peu de la caillasse, donc nous, on est plus avec des mamies qui ont des iPads, tu vois. Ah oui, moi, mamie geek, c'est Android. Ouais, bon, désolé. Android, moi, c'est plutôt mamie vintage, c'est un Windows XP en portable. Mais ça, c'est pas grave parce que, avec le prochain Windows sur tablette, je vais l'équiper et avec HTML5 et tout ça, bah, elle va vous péter. Elle va tout péter. HTML5, tiens. Justement. Ouais. C'est un peu le sujet de notre cahier de vacances d'ailleurs. Oui, parce que là, les vacances approchent, mais il va falloir quand même prendre un petit cahier de vacances comme tout bon écolier. Et donc, on vous a concocté en gros des petits cahiers de vacances dédiés à HTML5. Sympa ça. Et puis, du coup, alors, première partie de ce cahier de vacances, la balise vidéo, avec un ensemble de petits exercices qui va justement nous permettre de publier pour nos mamies la vidéo. Alors, attends. Je te rappelle qu'on a une mamie chic, iPad, Android et toi sur un XP. Voilà. Bah, on n'a qu'à prendre du flash. Du quoi? Non. Ah non, lui, il ne peut pas. Non. Silverlight. Du quoi? Non, il ne peut pas non plus. HTML5, du coup. Non, mais c'est juste, tu l'as dit, HTML5 ouais, partout. Et tu es capable de supporter toutes les plateformes, tous les navigateurs avec HTML5? Presque. Pour mamie vintage, on verra qu'il y a une méthode qui permettra justement d'avoir... N'en disons pas trop. Exactement. Dire, le cahier de tout ça dans le cahier de Stanislas. Voilà, dédié à la base HTML5 et la vidéo. Alors... C'est bien joli, mais toi, David, tu veux nous montrer quoi dans ton cahier HTML5? La vidéo, c'est bien gentil. Tag sémantique. Ouais. Ah, ça fait envie. Ça va pas faire de mamie, ça. Détrompe-toi pour ta mamie, parce que le tag sémantique, ça peut être super top pour l'accessibilité de nos mamies qui sont complètement bigleux. Tu parles de ta... Ma grand-mère particulièrement. Bigleux, effectivement, avec son double foyer. Pourquoi? Parce que ça donne du sens à nos pages et pour nos périphériques d'accessibilité, ça peut être bien pour les mamies. Bigleux, C'est sympa, mais il n'y a que ça? Non, moi je compte aussi moderniser la mamie vintage de Stanislas grâce à Modernizer. Ça porte bien son nom. On ne va pas en dire plus. Ça fait du feature detection. Découvrez ça dans mon cahier de vacances. D'accord. Très bien. Enfin bon, avec tout ça, nos mamies, elles vont quand même pas trop s'amuser. Ouais, c'est sympa votre vidéo, les tags accessibilité ou Modernizer, mais un peu de fun quoi. Ouais, bah moi ce qu'elle aime, ma grand-mère, enfin je sais pas si on peut faire un truc là-dessus, elle aime l'opéra. Ouais, ça c'est mort. Et les canvas. Alors là par contre c'est pas mal, parce que justement, moi mon idée c'était de faire un jeu vidéo avec des canvas. Ouais, mais alors les canvas accélérés, sa mamie elle va pas tricoter 60 tricots elle à la seconde. Matériellement, ma grand-mère, si tu veux faire les 60 frames secondes avec les canvas et les passer avec son arthrite. Alors là justement je pense que j'ai quelque chose aussi pour vous les gars. On va utiliser un autre canvas, celui d'HTML5 pour le coup. Comme on est bien fait quand même. C'est dingue. Par contre moi j'ai pas trop à dire, je vais juste montrer sur mon PC une petite vidéo là, vite fait. Enfin pas une vidéo d'ailleurs, c'est un jeu. C'est un vrai jeu. Voilà, qui sera réalisé dans le cahier de vacances, donc là je vais vous montrer que je suis une grosse truite à Arkanoid. Hop là. Truite étant un terme technique. Bien évidemment. Normalisé par le W3C. Hop là, je peux montrer l'heure. Et j'ai perdu, c'est nickel. D'accord. Voilà. Donc on apprendra à faire ça dans ton cahier de vacances à toi. Le but de mon cahier de vacances, c'est de refaire ça avec des connaissances relativement basiques en HTML5 JavaScript. Bon, bah, c'est super. Hein. On est prêt pour partir en vacances, les gars. Bah ouais, d'ailleurs, ça va bien. Tu pars où toi, David? Ouais, bon, je fais un petit safari en Afrique, moi. Ok, nickel chrome ça, c'est top ça. Ouais, voilà, bonnes vacances. Hein, bonnes vacances, suivez nos cahiers de vacances et j'espère qu'on vous aura donné envie. On se retrouve à la rentrée aussi. À la rentrée, parce qu'on aura du gros dossier à la rentrée. C'est la fin de l'année. C'est les vacances. Ciao. Bon, mais c'est sympa les enfants, cette affaire. Ouais, je pense que. J'espère que nos petits cahiers de vacances vont plaire. Ouais, et puis surtout à la rentrée. Il faut pas qu'on oublie à la rentrée, on a la conférence build sur le futur Windows. Don't tell me it's not true. Quoi? Il dit que Yadis, c'est la balle et que ça accélère l'HTML5. Ah, d'accord. Et dis-moi, toi, tu pars en vacances tout de suite, là, j'ai l'impression. Ouais, je pars, mais je vais faire mon safari. J'adore le style des chaussettes par-dessus. Ouais, spécial et dédicace aux Allemands. Bon, allez, sur les filous. On se tape la bise. Allez, on se voit à la rentrée. À la rentrée. Allez. Et n'oubliez pas, le cahier de vacances. Travaillez bien sur le cahier de vacances. Et des bisous, pardon. Ciao.